Merci, Amarjit. Merci pour ton excellent travail qui a rendu l'annonce aujourd'hui possible et pour tout ce que tu fais en tant que ministre de l'Infrastructure et des Collectivités. Je suis aussi heureux d'être accompagné par Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Jim Watson, le maire d'Ottawa, et plusieurs députés qui représentent les électeurs de la région, de la capitale nationale. It's a long list of local MPs, but I want to recognize each of them for the hard work they do for their constituents every day and the hard work they've done in bringing us all to this point right now. Andrew, Anita, Catherine, Chandra, David, Francis, Greg, Karen, Mona, Stéphane, Stephen, and Will. Thank you, guys. I know you've been looking forward to today as much as I have. Je veux aussi reconnaître le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. Plaisir de te voir ici. Last August, we announced that the federal government would be contributing more than $66 million to support the early phases of Stage 2 and buy new light rail vehicles. Today, I am proud to announce that the Government of Canada will partner with the provincial government and the City of Ottawa to fully implement Stage 2 of Ottawa's Light Rapid Transit project. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que le gouvernement du Canada se joint au gouvernement provincial et à la ville d'Ottawa pour pleinement mettre en œuvre l'étape 2 du projet de réseau de trains légers pour Ottawa. Lorsque ce projet sera terminé, le réseau de trains légers s'étendra à l'est jusqu'à Trim, à l'ouest jusqu'à Moody, au sud jusqu'à Bowersville et jusqu'à l'aéroport, ce qui ajoutera plus de 38 km de voies ferrées ainsi que 23 nouvelles gares de trains légers. It's a project that will create jobs, nearly 1,000 full-time jobs for people here in Ottawa. It'll create a better quality of life. With 14,000 fewer vehicles on the road during rush hour, you won't have to wait so long to get to work or back home after a long day. And it's good for the environment, too. Fully implemented, Stage 2 LRT is expected to reduce Ottawa's greenhouse gas emissions by at least 110,000 tons. That means cleaner air and a healthier future for you and your family. Together, all three orders of government, the federal, the provincial, and the city, will be equal partners in Stage 2 LRT funding, each contributing more than $1 billion to see this project through to completion. Combined with our earlier investment of more than $66 million, this represents a total Government of Canada investment of more than $1.15 billion to expand light rail transit across Ottawa, making the city an even better place to live and work. J'aimerais ajouter que c'était particulièrement enrichissant de voir les maires et les conseils d'Ottawa et de Gatineau qui ont travaillé ensemble pour faciliter des déplacements entre les provinces. J'espère que l'annonce d'aujourd'hui nous permettra de faire un pas de plus afin d'harmoniser les systèmes de transport en commun et mieux servir les Canadiens. Je tiens aussi encore une fois à remercier les députés fédéraux qui représentent la région de la capitale nationale et qui ont encouragé une collaboration plus étroite entre Ottawa et Gatineau. C'est dans notre intérêt à tous. Plus tôt cette année, le maire Watson a décrit l'étape 2 du projet de train léger comme étant une expansion du réseau de transport en commun qui n'a lieu qu'une fois dans une génération. Nous sommes fiers d'être partenaires de ce projet ambitieux et nous avons hâte de profiter des avantages qu'il apportera, de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, moins d'embouteillages et une meilleure qualité de vie
de l'air plus pur et une autre opportunité de lutter contre les changements climatiques. Those are things that our government was elected to deliver, and we're following through on those promises today.